Salut à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la viralité en ligne. Je vais vous expliquer les 6 critères qui font qu'un contenu devient viral. Alors la viralité, c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent quand on a un business en ligne, alors que ce soit en blog, écrit ou alors en vidéo sur YouTube. L'objectif de beaucoup de gens, c'est qu'un matin, ils aillent se connecter sur leur stat et qu'ils se rendent compte que leur contenu a été partagé des centaines ou des milliers de fois, que les gens l'ont adoré, ils ont voulu le faire découvrir à leurs proches. Et puis leurs proches, quand ils l'ont découvert, eux aussi ont été stupéfaits et l'ont partagé à nouveau. Et la viralité, en fait, on se rend compte qu'elle obéit à des règles. Il y a un scientifique qui s'est penché sur la question, c'est Jonah Berger. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Créer la tendance ». C'est un bouquin que j'ai lu il y a déjà plusieurs années. Il m'est arrivé d'en parler dans 2 ou 3 articles de Traffic Mania, mais je voulais aujourd'hui vraiment décrypter avec vous le contenu de ce livre qui est vraiment très, très intéressant. Alors, ce qui est déjà intéressant avec Berger, c'est que c'est un professeur, donc il enseigne à Wharton. C'est une fac prestigieuse aux États-Unis. Et je trouve que ça amène quelque chose en plus parce qu'il y a un cadre scientifique à sa démarche. On n'est pas dans un simple bouquin de gourou marketing. Alors, il y a des gourous marketing qui écrivent des choses très bien, mais il y a aussi un sacré nombre de torche-culs et d'arnaqueurs qui vous font vraiment passer des vessies pour des lanternes. Je trouve que le bouquin de Berger tient vraiment la route parce qu'il repose vraiment sur des recherches extrêmement longues et ça lui a permis d'affiner ses critères. Donc ces critères, je vais les décrypter avec vous. C'est un bouquin que je vous conseille de lire. Alors il est traduit en français, ça s'appelle « Créer la tendance ». Je crois que le titre original, c'est « Contagious », « Contagieux ». Donc voilà, il essaie d'expliquer pourquoi certains contenus deviennent viraux, c'est-à-dire contagieux. On va vraiment rentrer là dans le détail. Je vais vous expliquer les critères et puis surtout, je vais vous expliquer comment vous pouvez les appliquer dans votre business en ligne si vous êtes blogueur, si vous êtes youtubeur. Parce que évidemment, il y a des petites nuances si vous êtes dans ce genre de catégorie. Alors on y va, c'est parti. Je vais regarder ici mes notes parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire. Alors le premier critère que Berger met en avant, c'est ce qu'il appelle le capital social. Il a essayé de comprendre pourquoi les gens voulaient partager quelque chose et il est arrivé à la conclusion que les gens partagent quelque chose pour en retirer une sorte de prestige sur les autres. Donc si moi je partage quelque chose, c'est pour montrer aux autres que je connais quelque chose de nouveau, de novateur ou de très rigolo ou de très révoltant. Et il y a un exemple qui montre bien ça. Vous prenez un blogueur comme Jean Rivière qui fait du marketing depuis des années, eh bien la vidéo de Jean Rivière qui est la plus partagée, et même lui ça l'étonnait, et je me souviens d'une vidéo où il en parlait, la vidéo la plus partagée, c'est non pas une vidéo de marketing, mais c'est une vidéo étonnante dans laquelle il explique comment il planque son cash lorsque il est en voyage. Donc il explique comment il planque des billets, je crois, dans des tubes d'aspirine. Et c'est la vidéo qui a eu le plus de partage. Donc les gens l'ont partagé parce que c'était quelque chose de novateur. Ça leur a amené un espèce de prestige en partageant cela auprès de leurs proches parce que ils montraient qu'eux étaient à la pointe. Donc le premier truc à comprendre, c'est que un des éléments qui va faire que les gens vont avoir envie de partager, c'est parce qu'ils en dégagent un capital social, une sorte de prestige. Le côté entre guillemets frime, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais l'idée c'est un peu ça, de montrer qu'eux sont au courant de quelque chose de novateur, d'inhabituel, de choquant, de rigolo, etc. etc. Le second critère de Berger, c'est ce qu'il appelle le déclencheur. C'est-à-dire qu'il a analysé que les marques qui réussissaient à créer de la viralité en ligne mettaient du temps en fait, à associer un message à un contexte. L'exemple qu'il prend, c'est celui de la pause KitKat. Donc tout le monde connaît les chocolats KitKat. Et très longtemps, leur message publicitaire, ça a été « si vous avez une pause, have a break, have a KitKat ». C'est-à-dire « si vous avez une pause, prenez un KitKat ». Ça veut dire quoi? Eh bien que pendant des années, on travaille l'esprit des gens en leur disant que lorsqu'ils vont prendre un café, lorsqu'ils vont fumer une clope, c'est peut-être le moment de manger un KitKat. Et de cette manière, en fait, on crée une espèce d'association qui va permettre de toujours encourager les gens à consommer le produit dans un certain contexte. Alors comment est-ce qu'on peut appliquer ça en blogging? Parce que là, on se retire un petit peu du cadre classique blogging. Ce que vous pouvez faire, c'est appliquer en fait une fréquence
pour vos emails, par exemple, en faisant l'email du jeudi, la promo du samedi, l'interview du lundi. Et vous pouvez comme ça structurer votre business autour d'un rythme. C'est quelque chose qui est étonnant. Et j'ai un bon ami blogueur qui s'appelle Adrien Jourdan, qui blogue dans les langues, qui est vraiment excellent et qui a un gros, gros succès dans les langues. Et il me racontait que lui, il publiait à très haute fréquence. Et que lorsque, par hasard, il n'arrivait plus à publier, eh bien, il y avait des gens qui lui envoyaient des emails en lui demandant « Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas eu ma petite dose d'anglais ou j'ai pas eu ma petite dose de russe ce matin. » Donc, le fait de construire comme ça une fréquence de publication régulière va vous permettre de créer cette espèce d'élément déclencheur. Les gens vont avoir l'habitude de recevoir vos messages. Les gens vont avoir l'habitude de recevoir vos promotions. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'à l'écrit, vous devriez publier tous les jours, parce qu'à mon avis, ça va se faire au détriment de la qualité. Mais si vous êtes sur des formats plus rapides, comme par exemple la vidéo, vous pouvez augmenter le rythme de publication. Vous pouvez aussi augmenter le rythme de vos promotions. L'idée, c'est de tenir ce rythme qui va devenir une espèce de routine pour votre audience. Pour Berger, le troisième élément qui va déclencher la viralité en ligne, c'est l'émotion. Et là, il prend un exemple que tout le monde connaît, c'est l'exemple de Susan Boyle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'était dans la version britannique de L'Incroyable Talent. Donc, il y a une dame qui arrive, qui vient chanter, et franchement, elle ressemble à rien. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette femme malfagotée, âgée, qui vient comme ça à la télé? Et tout le monde pense qu'elle va se faire juste humilier. Et là, Susan Boyle, elle prend le micro et elle scotche tout le monde. On se rend compte qu'en fait, elle chante super bien. Elle chante, elle a une belle voix, elle chante juste. Et on se rend compte que le jury est stupéfait. Et finalement, cette vidéo est un déclencheur d'émotion. Ça génère de la surprise. Ça génère pour certains un plaisir auditif. Alors moi, Susan Boyle, c'est pas mon truc d'un point de vue musical, mais il faut reconnaître qu'il y a une maîtrise technique. Et cette vidéo, cet extrait, il a fait le tour du monde. On l'a vu à la télé, on le voit sur Internet. Et Susan Boyle est devenue célèbre grâce à ce moment-là, un moment de pure émotion. Donc, la chose qu'en retient Berger, c'est que vous pouvez comme ça créer de la viralité en mettant en avant soit de l'humour, soit de l'inquiétude, soit du rire, soit un moment d'émotion pure. Et on se rend compte que à partir du moment où vous injectez dans vos contenus une vraie dose émotive, le nombre de partages est beaucoup plus important. Moi, par exemple, sur Traffic Mania, un des articles les plus viraux que j'ai eu, un de ceux qui a eu le plus de partages, c'est un article où je raconte mon histoire. Donc, je raconte l'autisme de mon fils, mon licenciement et comment tout ça, ça m'a conduit au blogging, les difficultés auxquelles j'ai fait face. C'est-à-dire que je raconte en toute sincérité ce que j'ai vécu et ça a touché les gens. J'ai reçu plein d'emails de gens qui m'ont dit « Waouh, ton histoire, elle est quand même incroyable. Tu nous as encouragés, ça donne envie d'avancer quand on voit les difficultés que tu as vaincues, etc. etc. » Eh bien, si vous arrivez à mettre en place et à injecter cette émotion dans vos articles, vous obtiendrez des résultats hyper intéressants en termes de viralité. Et ce qui est encore plus intéressant selon moi, c'est que l'émotion, elle est supérieure à l'information. L'émotion, elle est supérieure à l'information. C'est quelque chose dont je suis en train de me rendre compte sur mes vidéos YouTube. Par exemple, si vous regardez les dernières vidéos YouTube que j'ai publiées, elles sont extrêmement informatives, assez peu émotives, et je vais essayer de remettre un peu plus d'émotion dedans pour augmenter la viralité, pour augmenter la charge émotionnelle, pour que les gens aient plus envie de venir les voir, parce que quand ils vont regarder les vidéos, ça va leur faire quelque chose. Voilà, il faut que les gens, lorsqu'ils regardent vos vidéos ou lorsqu'ils lisent vos articles, ils ressentent quelque chose. Vous ne devez pas être seulement un professeur qui donne une information, mais vous devez les toucher au cœur en utilisant des techniques d'écriture. Mais simplement le fait de raconter une histoire et d'essayer de déclencher de l'émotion en les choquant, en les inquiétant, en les faisant rire ou en étant plus dans l'émotionnel pur, eh bien, vous arriverez comme ça à améliorer la portée de vos contenus. Le quatrième élément que Berger met en avant, c'est ce qu'il appelle la visibilité. Et il prend un exemple qui est vraiment évident. Imaginez que vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas et le soir, vous cherchez un restaurant. Eh bien, vous aurez toujours plus tendance à aller dans un restaurant qui est bondé que dans un restaurant qui est vide. Parce que le fait qu'il y ait du monde, ça va vous mettre en confiance. Vous allez vous dire, si autant de gens y vont, eh bien, c'est que le restaurant doit être bon. Alors, ce n'est pas forcément le cas en réalité. Ça peut être un restaurant un peu piège à touristes. Et à côté, ça peut être une petite gargote délicieuse que seuls les habitués connaissent.
N'empêche que lorsqu'on est dans une ville qu'on ne connaît pas, on a toujours tendance à suivre, entre guillemets, un peu le troupeau. Et finalement, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer très facilement dans vos contenus avec, par exemple, les témoignages. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'envoyer de temps en temps un email juste à vos clients et de leur demander ce qu'ils ont pensé du produit. Ça vous permettra de collecter des témoignages et de les injecter dans votre page de vente. Donc une collection de témoignages, oui, c'est bon pour les ventes. Et si vous n'arrivez pas à avoir beaucoup de témoignages, il suffit d'en avoir un qui est vraiment excellent. Vous mettez entre guillemets une citation d'une personne, voilà, j'ai acheté le produit j'ai acheté la formation sur le dressage de chien et en 6 semaines, mon chien faisait des tours de cirque. Eh bien là, vous avez un élément qui est vraiment un élément de visibilité très intéressant. Il y a une blogueuse qui a fait ça, elle s'appelle Hanneke Diestermaert. Donc c'est une néerlandaise qui blogue en anglais sur un blog qui s'appelle Enchanting Marketing, donc le marketing enchanteur. Donc ça vous dit peut-être quelque chose. Et elle a affiché, elle, sur sa page de vente, un témoignage de Brian Clark. Brian Clark, c'est une pointure du blogging, c'est le fondateur de Copyblogger, c'est un des meilleurs blogueurs du monde. Et il a mis une citation il a mis un petit témoignage très élogieux sur Hennequet. Et évidemment, elle l'a affiché sur son blog. Ça amène énormément de crédibilité, de visibilité. Okay? Donc, mettez en avant ces témoignages, allez les chercher, créez comme ça, montrez aux gens que vous aussi, vous êtes comme un restaurant bondé, vous êtes le site qui compte. Vous êtes le blog qui compte et ça améliorera la portée de vos contenus, la portée de votre site. Le cinquième élément, d'après Berger, de viralité des contenus, c'est ce qu'il appelle la valeur pratique. Alors pour moi, la valeur pratique, je l'interprète en blogging comme étant le contenu qualitatif. En gros, si vous lisez un super article de blog dans votre thématique, si vous apprenez vraiment quelque chose de nouveau, vous aurez tendance à le partager. C'est quelque chose, moi, que je vois très souvent sur Traffic Mania. Par exemple, si vous allez sur mon blog et que vous regardez les articles écrits, vous verrez qu'ils sont beaucoup plus longs que la moyenne des articles de mes concurrents et ils sont aussi beaucoup plus complets, beaucoup plus détaillés. Le but, c'est que les gens, ils reçoivent vraiment une information complète, qualitative, et que leurs problèmes soient résolus quand ils lisent l'article. Qu'est-ce qui se passe quand les gens lisent ce genre d'article? Ben, ils ont tendance à les partager. Et effectivement, j'ai un nombre important de partages sur des articles qui sont très complets. Par exemple, mon article sur comment faire connaître votre blog, ou alors mon article sur des astuces d'écriture. C'est des articles qui ont eu des centaines de partages. J'ai même fait une fois un article invité qui a eu plus de 1000 partages parce qu'il était orienté trafic, il a été publié sur Web Marketing et Com. Et voilà, c'est un article qui a eu vraiment, vraiment un gros, gros succès. Donc, si vous voulez mettre en place de la viralité sur la qualité du contenu, oui, allez-y, c'est toujours très intéressant de le faire en faisant des articles qui sont plus longs de la moyenne, des articles qui donnent des vrais enseignements pertinents et qui permettent aux gens de résoudre leurs problèmes. Évidemment, ça sera encore mieux si vous mélangez l'aspect informatif, comme je viens de le dire, très qualitatif, avec l'aspect émotionnel. Si vous êtes capable, avec votre talent d'écriture, de mélanger les deux, là, vous aurez des résultats qui seront vraiment stupéfiants. Le sixième élément que Berger décrit dans son bouquin, c'est ce qu'il appelle le récit, la story, l'histoire. Il y a un truc qui illustre bien ça, c'est par exemple la semaine de 4 heures, donc le bouquin de Tim Ferriss que tout le monde a lu. Moi aussi je l'ai lu, j'ai pas trouvé que c'était un bouquin si bon que ça, mais je dois dire que dès les premières pages, j'ai été frappé par son histoire où il racontait comment il est devenu champion d'arts martiaux. Tim Ferriss, c'est un peu monsieur tout le monde, et il s'entraîne aux arts martiaux, et il explique qu'en quelques mois ou en moins de 2 ans, il arrive à vaincre des mecs beaucoup plus forts que lui parce qu'il exploite en gros une faille du règlement, mais ça ne l'empêche pas de commencer à gagner des tournois et de devenir quelqu'un qui est vraiment redouté dans sa discipline d'arts martiaux. Et cette histoire du mec ordinaire qui devient super fort, c'est un peu l'histoire de Karate Kid, si vous voulez. Et c'est quelque chose qui est intéressant et qui va, comment dire, qui va fasciner un peu le lecteur, qui va inciter le lecteur à parler autour de lui de ce bouquin où le mec, il explique qu'en moins de 2 ans, il est devenu champion dans son sport. Donc voilà, le récit de l'homme ordinaire qui accomplit quelque chose d'extraordinaire, ça aussi, c'est quelque chose
qui est virale. Donc vous pouvez le faire comme ça en racontant l'histoire de quelqu'un d'ordinaire qui atteint des résultats extraordinaires, mais vous pouvez aussi vous distinguer en créant un récit sur d'autres bases, par exemple en faisant la formation la plus chère de votre thématique. Si moi demain je sortais, je ne sais pas, une formation complète à 50 000 euros sur le web marketing dans laquelle j'accompagnerais un blogueur de A à Z, peut-être que j'arriverai à en vendre en disant aux gens, bah voilà, moi je vous accompagne pendant un an complètement de A à Z, mais ça vous coûte 5 000 euros par mois. Le truc, c'est qu'à la fin, moi je vous garantis que vous gagnerez au moins 100 000 euros. En disant, bah voilà, on va appliquer tout mon savoir web marketing et voilà le genre de résultat que vous pourrez atteindre, parce que moi c'est le genre de résultat que j'atteins sans le moindre problème. Et donc, je pourrais créer comme ça quelque chose qui fasse le buzz. Quelque chose qui crée une histoire en disant, waouh, sur Traffic Mania, il y a une formation à 50 000 euros. Est-ce que quelqu'un la connaît? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que le mec, il assure, etc., etc. Et je pourrais comme ça créer de la viralité. Donc, vous voyez, il y a plein de manières de créer comme ça une histoire autour de votre contenu. Donc, pour récapituler, les 6 critères qui ont été mis en avant par Berger dans son bouquin « Créer la tendance », c'est d'abord que les gens partagent parce qu'ils en tirent un avantage social. Ok, il y a un petit côté prestige. C'est moi qui te raconte le bon plan. Donc, c'est pour ça que je le fais, un peu pour me valoriser. L'élément numéro 2, c'est le déclencheur. Il faut créer comme ça une fréquence, des routines qui vous permettent d'habituer votre audience au rythme de votre message. Le troisième élément de la viralité, c'est l'émotion. Ce qui est très facile à faire quand on écrit, par exemple. Donc, mettez de l'humour, mettez de l'inquiétude, mettez du stress, mettez de la colère, mettez de la polémique. Allez-y, mettez de l'émotion dans vos contenus. Le quatrième élément, c'est de mettre en place des éléments de visibilité, par exemple avec des témoignages nombreux ou des gros chiffres de partage ou des témoignages de gens prestigieux qui comptent dans votre thématique en amenant de la visibilité à vos contenus. Le cinquième élément, c'est de mettre en avant la qualité de vos contenus. Alors ça, je reste persuadé que c'est la clé pour tenir sur Internet, pour tenir face à vos concurrents. Il faut que ça soit du bon matos. Donc allez-y, longueur, enseignement, pertinent, illustration. Et enfin, le sixième élément, c'est le récit. Mettez en scène, racontez votre histoire, racontez les progrès que les gens accomplissent en achetant vos produits, scénarisez. Projeter le lecteur dans un monde dans lequel il puisse lui s'identifier en quelque sorte au héros. Donc maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est à vous de jouer. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre les 6 éléments. Vous pouvez simplement en prendre un pour commencer. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de peut-être essayer avec l'émotion. À mon avis, c'est le plus simple à travailler. Essayez de toucher les gens au cœur. Essayez que les gens ressentent quelque chose quand ils regardent votre vidéo ou quand ils lisent votre article. Ce que je vous conseille également, c'est d'acheter le bouquin. Donc, vous le trouvez en français sur Amazon. C'est « Créer la tendance » de Jonah Berger. Vous voyez, ça se lit assez vite. C'est vraiment un livre hyper intéressant. Gardez aussi en tête que en ligne, le contenu est pas suffisant. Pour que vous ayez de la viralité, il faut aussi amorcer la pompe. Même si vous mettez en place les 6 éléments de la viralité, il vous faudra quand même faire un petit peu de travail de promotion pour faire connaître votre contenu. Donc là, moi, je vous amène aux autres vidéos de Traffic Mania, par exemple, comment faire connaître son blog. C'est des sujets c'est des choses que j'explique. Encore un mot, si vous avez des difficultés avec votre trafic, si vous êtes blogueur, que vous avez du mal à avoir du trafic, vous pouvez télécharger une formation gratuite d'une heure. Elle est juste ici en dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de la partager si elle vous a plu. Merci de la liker, de mettre un petit pouce si elle vous a plu également. Et surtout, allez télécharger la formation sur le trafic. Vous allez, à mon avis, apprendre des choses qui vont vous intéresser. Allez, à très bientôt sur Traffic Mania. Ciao, bye.